Voilà, c'était les études à New York, parce que vous avez fait les études d'économie en France et ensuite vous êtes allé à New York. Moi qui m'ai coupé, j'aurais dû couper avec les autres aussi. J'ai fait à Strasbourg, j'ai fait Sciences Po et une licence en droit. Ah, quand même, à New York. Ensuite, j'ai fait un doctorat en sciences économiques. Et de là, d'abord, je suis parti un an en Afrique. C'est quoi pour ça, des études au Burkina Faso. On était dans la brousse. C'est le coup du basilic du jardin. Comme ça, on s'est perdu dans la brousse. Et c'était passionnant. Ouais. Et après cette année, j'ai eu une bourse pour les États-Unis. Et je suis allé à l'université. Ouais, et j'ai fait un master en business à Columbia. Et quand j'ai eu fini là, parti jusqu'au Mexico, Panama, enfin Honduras, tous les pays. Faire le tour du traverser monde. Traverser le Pacifique et l'Asie, c'était formidable. Et Monique avec raconte. Le sac au dos et... Monique raconte que la mamie oui. se tordait Madame de douleur papa, parce qu'elle n'avait pas de nouvelles. Oh, mon Dieu, c'est leur conscience des fils, ça. Ben. C'est leur conscience des fils, c'est affreux. Avoir un fils comme ça, c'est affreux. J'ai là. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que j'imagine que les parents pouvaient avoir quelques inquiétudes. Parce que c'était quand même pas le tout repos. Et puis, on ne pouvait pas se téléphoner, évidemment, il n'y avait que le courrier de temps en temps. C'est pas bon. Elle a du travail, la petite. Non, j'adore faire ça. J'adore préparer les apéros. C'est vrai. Ouais, toujours. Mais oui, mais que des apéros comme ça, on mange plus là. Et pourtant, il faudra bien. Voilà. Est-ce que tout est en place, ouais, ça, c'est parti. Oui, parce que j'ai toujours eu des envies de voyage. Quand j'étais petit étudiant, dès que j'ai été étudiant, ben, la première année, je suis parti en stop jusqu'à Jérusalem. Ça ne fait pas de mal de manger. Non, ça suffit. Un moment, tu manges. Le Moyen-Orient, Jérusalem. Voilà. Tiens. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Après, l'année suivante au Cap Nord, enfin, bon, on a fait des grands voyages comme ça. Toujours stop. C'était formidable. C'était une façon de rencontrer des gens et de découvrir des pays. De rencontrer le monde, le monde. Mais elle n'aime pas trop la lune. Ce serait trop dangereux, je pense. Tu veux pas Moi, j'ai jamais eu de problème. Vraiment, les gens étaient vraiment charmants, gentils, serviables. J'ai jamais eu de problème du tout. Mais non, c'est pas du travail, j'adore faire ça. Elle n'aime pas faire la cuisine, donc elle ne comprend pas. Mes enfants. Pensez que vous avez entrepris la traduction du cahier avant les études ou après les non. études Alors, quand je suis rentré des États-Unis, après le tour du monde, j'ai fait le service militaire. J'étais 2 ans en Algérie. Et quand je suis rentré d'Algérie, c'est à ce moment-là que j'ai... que j'avais revu Nickel avec les parents et tout ça, et c'était dans les années 62-63, et donc je suis arrivé à Paris et j'ai commencé à travailler. Je travaillais dans la banque. Non, mais vous savez pas comment fermer. Et le soir, je tapais. Parce qu'il a fallu. Asseyez-vous là, si vous voulez. Non, non, ça va très bien ici. Non, non, c'est bon. Parce qu'il a fallu. Non, évidemment. C'était pas. C'est excellent tout ça. C'était pas les ordinateurs, et c'était une. Alors, la question. Oui. Parce que ce document aussi, il est sans rature, le vôtre. Oui. Sans... Vous avez fait écrit à la main, et vous avez retapé
Non, non, je le lisais et je le tapais. Sans rature. Sans rature. Bon, il est possible que quand on fait une faute de frappe, oui, on pouvait revenir dessus, parce que il n'y avait pas à ce moment-là de possibilité de reproduction. Évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur pour vous imprimer les choses. Et je me rappelle, je l'imprimais. C'était des feuilles qui étaient là où ça avait été frappé, c'était violet derrière. Dans et après, on tout. Le passait à la machine. Comme ça. Oui, il y avait, donc, comment dire, oui, des feuilles violettes pour en faire des doubles, pour en faire des doubles. Du carbone. Ça, c'est au micro-ondes. Non, non, mais oui, je parle du gras. Et pas après, des carbones. J'ai un papier spécial, ça s'appelle Crisco. C'était en mode de duplication, mais. Il y avait des tartes et tout. On ne pouvait pas en imprimer. Dans le micro-ondes, 50, on pouvait en imprimer. De la Roneo, vous faisiez, non? C'était pas comme ça non plus. Non. La Roneo permettait d'imprimer plus, oui. Mais c'était plus compliqué pour faire des Roneo. C'était au carbone. C'est un projet évidemment qui n'existe plus maintenant. C'était du papier spécial, on tapait et donc. On voyait de couleur violette. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu. J'ai dû faire des fautes de frappe. Il devait y avoir un moyen de corriger. Ou alors je recommençais la papier. Page, peut-être, je ne sais pas. Mais j'avançais lentement. C'est très beau. Bien sûr, c'était pas tout. Parce qu'il fallait alors, ça, c'était pendant un an, pendant que vous travailliez à la banque, le tous soir, les tous les soirs en rentrant. Ouais. Vous étiez célibataire, là. Oui. Voilà. Ouais. Parce que là, c'est voilà. Assez. Alors, il y a les cahiers de Dominique, mais il y a le vôtre. Et le vôtre, je le considère aussi important que les cahiers par eux-mêmes. Parce qu'il y a un exploit, c'est de les avoir traduites, oui. D'avoir traduit. Et notre espoir, c'est d'avoir trouvé un intérêt à ce qu'écrivait Dominique. Ah oui. Non, moi, ça m'avait. Vraiment, quand il m'avait fait, quand il m'avait prêté les trucs, ça m'a frappé. Il y en a un qui avait été mangé par les souris déjà. Oui, oui. Hein? À l'époque, alors je ne me rappelle pas s'il avait été corrigé avant ou après. Ça, j'ai... Après, parce que après, c'est une écriture un peu bic, stylo bic, que la plume qu'il avait écrite. Ah oui, bien sûr, mais je veux dire, je ne me rappelle pas si ça avait été corrigé avant que j'ai transcrit les cahiers ou si j'avais tous les cahiers complets. D'accord, ça. Mais ce n'est que 6 pages. Parce que je ne me rappelle pas du tout de ces corrections et de ce rattrapage. C'est un cahier qui s'appelle 6 bis. Oui. Donc, je me rappelle pas. Mais qui a été écrit en disant. Forcé un petit peu, ça a été, il n'est pas... Je ne me rappelle pas que le problème avait été évoqué, je ne me rappelle pas qu'il existait, alors, je ne m'en étais pas aperçu. Peut-être qu'il est encore à traduire, il fait pas partie de la traduction. Parce qu'il y avait continuité, si tu veux, ça quand même, c'était... Je me serais bien aperçu s'il n'y avait pas continuité dans le récit. Dans le récit, oui. Puisque phrase par phrase, je le traduisais, donc j'aurais perçu qu'il n'y avait pas une continuité, qu'il y avait un trou. Je n'ai pas perçu. Donc, vous le traduisez. Et donc, alors, je l'ai imprimé à peu près à 25 ou 30 exemplaires. Autant que ça. J'allais assembler tout ça. Je le faisais la nuit aussi, dans la boîte où je travaillais, je pouvais utiliser la machine pour le... Dans la banque. Oui, voilà. Et comme ça, ça s'est fait peu à peu, et je me suis dit, parce que je m'étais dit, quand j'avais vu ce livre, j'ai dit, voilà, les campagnes de Napoléon, la campagne de Russie, voilà, c'est la même chose. Une histoire qui va durer pendant des siècles. Car... C'est un récit vrai, continue. C'est ça l'impression que j'en ai. Et tout était en concordance. Et c'était votre grand-père.
Et, oui, c'est mon grand-père. Hein. Et donc après, paternel. Désolé, j'avais tous ces trucs-là. Il fallait en plus. Vous pouvez parler, hein. Oui. Non, parce qu'après, il fallait en plus. Alors, assembler, il y avait quand même pas mal. Il y avait pas mal de pages. Enfin, j'étais pas équipé pour l'édition, pour l'impression, ni rien. Bon, alors il fallait assembler tout ça, le relier. Et puis, après, t'es à Paris, t'es un petit étudiant, enfin, t'es un gars qui travaille. Comment tu fais pour contacter des éditeurs en Allemagne, en France et tout? Je connaissais rien. Alors, je ne sais pas comment, de fil en aiguille, j'ai trouvé des. Peut-être dans les annuaires téléphoniques, je ne sais plus. J'envoyais des éditeurs. Mais, et je me disais, on arrive aux 50 ans. De la guerre de 14, ça va intéresser les gens. Moi, c'était les 50 ans. Et je m'étais trompé, c'est les 100 ans. C'est les 100 ans qui ont fait. Oui, faire la, oui, c'est ce que je voulais vous faire cet après-midi. Et donc, j'ai envoyé, et j'avais lu un livre d'un gars qui s'appelait Heinrich Böll. Prix Nobel de littérature. Qui s'appelait Wanderer kommst du nach Spa. Par Spanien, mais pas, c'était arrêté. Et c'est un livre, ça m'avait plu, c'était sympathique, c'était intéressant, et je pense que j'avais envoyé directement à Heinrich Böll. Je ne savais pas qu'il était prix Nobel de littérature. J'ai envoyé au bon soin de son éditeur. J'accrochais où je pouvais, qu'est-ce que tu pouvais trouver pour... Et qui pouvaient être les éditeurs intéressés par un récit de guerre c'est quand même spécial. La guerre de 14 et 18 qui a été oubliée par les Allemands. Mais tu t'en es aperçu quand on a parlé édité en Russie. Quels éditeurs contacter? C'est pas évident. Et donc, je lui ai dit, c'est vraiment un très beau cadeau. Heinrich Böll, finalement. 5 ans. Voilà. Et lui... Alors, en retrouvant la lettre que je t'ai passée de Heinrich Böll, il avait envoyé, non pas à Fribourg, il avait envoyé au musée de Munich, d'histoire de la guerre. Elle a fait 4 années d'études de médecine, elle a laissé. Et c'est celui-là, il dit non, ça ne nous concerne pas, et qu'il avait envoyé à Fribourg. Alors, je te rends compte, de nous. Böll, Fribourg, Munich, Fribourg, et puis 20 ans après... Le jeu vidéo, lui, il a fait tout ce qu'il y a pour l'antique, et lui, elle a fait les dessins. Oui, 25 ans. Et le jeu est sorti il y a 5 jours maintenant. Ah, c'est un jeu qui est sorti. C'est en 88. Et ensuite, maintenant, on le retrouve à la télé. Puisqu'il y avait 9 épisodes sur la guerre de 14-18. Et dans l'un, je les extrais, mais toi, tu ne peux pas les regarder à cause de ton internet faible, où j'ai fait la capture de la vidéo où on cite Dominique Richert à deux. Endroits différents. Deux endroits différents. Je pense que c'est sa même maman aussi a eu des chirurgies de la famille. Eh bien. Si c'est pas de la façon de la famille. Voilà. Donc. Et dans le générique, on retrouve justement les archives militaires, et c'est de là que c'est parti, mais fait par les Allemands. Je dois dire, il y a quelques temps déjà, j'avais vu sur Amazon le récit d'un paysan français. Qui était sergent, qui est devenu sergent dans la Grande Guerre, qui a fait toute la guerre. L'histoire parallèle, je ne sais pas si tu le connais. Je le connais par cœur, c'est Rémi Casal, c'est Louis Barthas, le tonnelier Louis Barthas. C'est parallèle à l'histoire de Dominique. Mais je trouve franchement l'histoire de Dominique est meilleure. Enfin, le bouquin de mai est bien meilleur. Non, mais ils ont le même esprit. Oui. La même critique. La même critique de là. Parce que c'est Rémi Casal, l'universitaire qui fait foi, qui espère
dans le monde entier et en France, qui, lorsqu'il était à la faculté, il mettait un texte de Louis Barthas et il mettait un texte de Dominique Richert. Et il leur demandait lequel était français et lequel était allemand. Mais je le savais. Voilà. Donc, et maintenant, pour faire la, disons, la publicité de Dominique, je dis que Dominique Richer, c'est le Louis Barthas allemand. Parce que le Louis Barthas, c'est 300 000 exemplaires. Ah, quand même ! Oh, c'est pas vrai ! 300 000 exemplaires. Il y a... Dominique n'est pas à ce point-là. Mais l'éditeur n'en voulait pas de Louis Barthas. Il y a 30 ans, quand même, il a mis 30 ans. Traduit en japonais, traduit partout, connu du monde entier, etc. Connu des Alsaciens, ils connaissent plus Louis Barthas que Dominique Richer. Quand je suis dans le musée à Danemarie, si je parle de Louis Barthas, on me dit tout. Si je dis Dominique Richer, des spécialistes du musée. C'est assez... ce point connu, ça, je ne savais pas. 300 000 exemplaires. Alors, pour le musée, par exemple, pour le musée, quand Dominique, pour le mémorial de Danemarie, quand il a été proposé, ce sont des spécialistes des grands musées de France, du patrimoine, qui se sont intéressés, évidemment, au livre de Dominique Richer, etc. Mais ils avaient un doute, parce qu'ils ne le connaissaient pas bien, et c'est le fait qu'il soit labellisé un petit peu par Rémi Casal, le grand spécialiste d'Adin, qui a dit c'est du vrai. C'est pas vrai. C'est du vrai. C'est-à-dire, c'est ils ont eu. Ils avaient peur de mettre dans un grand musée quelque chose, quelqu'un de régional, etc. Donc voilà. Donc tout est lié. Mais alors, justement, à propos du côté régional, en relisant mes échanges avec Tramitz, elle avait posé la question aussi. On lui objectait que c'était régional. Mais je lui ai répondu. À quel moment on est allé chez vous? Toute la littérature, tous les livres sont régionaux. C'est toujours quelqu'un qui habite ou à Toulouse ou à Berne ou à Saint-Ulrich ou à je ne sais pas où. Il habite toujours quelque part. C'est donc toujours régional. C'était en été. Mais ce n'est pas une objection. Donc la portée universelle était portée. Mais évidemment. Des années, hein, oui, c'est ça pour moi, c'est clair. Moi, c'est vraiment les récits, le sergent Bourgogne, les soldats de Napoléon et tout. C'est la même chose. On recommence à quelques générations après. C'est ça. Alors le combat qu'a mené cet universitaire. Rémi Casal, qui habite ici à Toulouse. Il a commencé, lorsqu'il a commencé à étudier les écrits des ouvriers de Carmaux, des mineurs. Et de là, il s'est projeté sur ces lettres, ce discours des hommes de terrain. Et il est parti où l'histoire n'en voulait pas. Ne voulait pas considérer que le témoignage de ces hommes qui étaient au ras du combat valait autant que les grandes analyses historiques sur la guerre, etc. Donc il est parti, il y avait 20% de littérature, et maintenant on est à 50% de littérature par rapport à la littérature, la littérature, comment dirais-je, officielle des historiens. Ça a augmenté grâce à lui. Il est tout seul. Donc il habite plus à Saint-Ulrich depuis au moins 20 ans. Pour revenir, vous changez la Russie, tu ne penses pas que ça aurait eu un intérêt Alors, mon point d'attache, mon point de c'est Arthur Zillerkopf et c'est le mémorial. Et de là, c'est un point d'appui. Il faut qu'il soit édité en allemand. Ah oui.
Et on peut, je ne peux pas demander aux Russes d'éditer s'il n'est pas d'abord édité en allemand. Donc s'il est édité anglais, français, allemand, à ce moment-là, je peux faire une action pour la Russie. Oui. Et à ce moment-là, il vaut mieux avoir un vrai éditeur que l'auto-édition. Que l'auto-édition, voilà. Évidemment. L'auto-édition peut, peut aider. C'est-à-dire, si le livre est succès en auto-édition, à ce moment-là, un éditeur peut s'en emparer et peut l'éditer à son tour. C'est bien souvent des nouveaux livres qui naissent comme ça. Ils naissent par l'auto-édition et ils sont repris par les éditeurs quand l'éditeur a confiance du succès du livre. Ça, c'est la meilleure édition. Il a fait du bon travail. Ah, c'est excellent. Et j'arrive. Excellent. Il y a des cartes. Il y a. Bon, il y avait des. Et puis il y a le e-book aussi. Quoi? Il y a la version e-book. Ah, sur Internet aussi. Et il y a le. Sur Google Maps. Sur Google Maps aussi. On a Google Maps, on peut cliquer dessus. Il y a les photos, oui. Elle habite dans la maison. Excellent. Excellent. Et puis la qualité aussi. Oui. J'arrive pas à le joindre. Évidemment. Je n'arrive pas à le joindre. Tu n'arrives pas à le joindre? Mais moi, j'ai écrit à l'éditeur. Ah bon, à l'éditeur, oui. Moi, je ne connaissais pas son adresse. J'ai écrit à... J'arrive pas à le joindre. Parce que j'en aurais besoin aussi pour le mémorial. Angelika Tramitz m'avait dit que ça n'avait pas... Ça n'avait pas accroché. Ça n'avait pas été un succès formidable. Ils sont allés à Saint-Ulrich à la retraite. D'abord le titre est bon. La présentation, c'est... Du bon goût. Vraiment, bon bravo. Du bon goût. Oui, c'est oui. Le meilleur bouquin de toute la série. Oui, oui. Oui. On a acheté la maison d'un entrepreneur qui avait besoin d'argent. Pour voilà, c'est une aventure. Quand on tombe sur un document comme ça, oui. On entre les mains. Bon, je l'ai là à côté si vous voulez revoir. On est, disons, devant une découverte archéologique, presque un trésor. Oui, un trésor. On a l'impression de. Et un trésor qui est né dans un champ. Dans un champ. Je crois que c'est la meilleure cuisinière que je connais dans le cœur. Comment Nickel ne pouvait pas imaginer ça. Franchement. Nickel. Ta plus grande erreur. Jean-Claude, ta plus grande erreur aura été avec mes cahiers. Il m'avait écrit. Alors, est-ce que ça convient, on fait un petit tour de tout ici. Parce que comme il écrit, je les ai écrits pour passer le temps. Et d'ailleurs, je n'avais pas de notes. Alors ça, c'est inimaginable. Oui, mais je pense avoir une explication. Ah. Il raconte qu'il, à un moment donné, qu'il il l'avait appris dans les, comment on appelle ça, les, pas les albums, mais comment on appelle ça, les... Et ça, c'est... Mais j'ai un trou de mémoire. Les almanachs. Oui. Et ma solution, c'est qu'il connaissait la géographie par cœur avant. Oui, mais pas la Russie. Moi, j'en ai des surdoués dans la famille. Oui, mais attends. Non, c'est pas possible. Parce que c'est pas la géographie Toulouse, Barcelone, Madrid, alors, Paris. J'ai des bleds complètement dont t'as jamais entendu parler. Oui, mais je vais avoir, justement, je peux avoir, on m'a proposé les almanachs qui étaient édités à Saint-Ulrich à cette époque-là. Oui, mais on va voir. Mais tu trouveras pas les bleds dans lesquels il était. Mais non. Donc il a tout mémorisé avec une carte qu'il devait piquer à droite et à gauche. Il devait emprunter la carte. On ne peut pas inventer les noms. Quand il est un tel village, il est là, machin, etc. Je pense que la mémoire, qu'il peut y avoir des miracles comme ça, d'une mémoire absolument... Traumatisante. On le considérerait comme miraculeux, car pas un papier, il ne pouvait pas en avoir de papier. Et Tramitz et son pote... qui ont vérifié les dates, les
dans le mémorial de la guerre, enfin tout, ils ont, ça collait. Et aussi, inexplicable. Et aussi le goût de connaître les gens avec qui, et les noms des gens, des officiers, des sous-officiers, oui, des gens qui connaissaient un tel, etc. Comme s'il avait. Ça avait tellement incarné, ça avait été tellement. Il avait une méthode, mais qui provoquait Mais je ne connais pas, dans toute l'œuvre humaine, je ne connais pas un exemple d'une mémoire comme ça. C'est vraiment étonnant. Et je mets quelqu'un au défi de me dire une autre, parce que les almanachs ne peuvent pas avoir les blés de la côte. La côte 310 Brutschmetsch. Non. Et dans le séquentiel aussi de l'histoire, il avait aussi son carnet de guerre. Il avait tel endroit, etc. Ça, il pouvait se référer à ça. Oui. Non, c'est... Parce qu'il ne se trompe pas dans les dates non plus. Comment ? Il ne se trompe pas dans les dates non plus. Mais non. C'est inimaginable. Et en plus, la façon dont ça a été écrit, sans rature. Il n'y a pratiquement pas de rature. Comme s'il avait un film dans la tête, qu'il transcrivait. Bon, si tu voulais, je voulais le faire en review, reviens. Je remets, et voilà. Oui, sans aucun doute. C'est un mécanisme dont nous n'avons pas notion. Parce qu'il raconte comme si débutait la guerre. Oui. On n'a pas l'impression qu'il connaît la fin. Qu'il connaît la fin de la guerre. Oui, absolument. Il repart du début. Oui. Et on n'a pas l'impression qu'il fait jugement. Il est étonné quand il est étonné. Il est machin, mais il ne dit pas oui, mais après c'est comme ça. Oui. Non, c'est vraiment quelque chose d'absolument étonnant. Et il y a un autre personnage étonnant aussi, c'est vous. C'est vous. Et justement, au musée, Adam-Marie, il faudrait que vous soyez mis un peu plus en valeur. Le problème maintenant, c'est qu'il y a plus en plus de femmes qui font ça, parce qu'elles commencent... Parce que cette graine, si elle a poussé, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait l'intelligence de la voir et de la traduire et de faire l'effort, parce qu'elle serait morte, ses cahiers seraient morts. Hein. Alors, il n'y aurait plus personne... Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'était l'occasion ou jamais... Et il fallait avoir un talent. Et il fallait savoir lire le Sutterling, il fallait pendant un an quand même. Non, mais je trouve que aussi faites partie du personnage de... Plus qu'après les traducteurs, c'est plus facile après, c'est plus facile, c'est d'abord.